Le sabot, c'était pas la Hollande, mais Madagascar, qui a la forme d'un sabot. Oui. Et l'ambre, alors? Vous avez une carte, mademoiselle? Oui, monsieur. Voilà, cette de trèfle. Mais non, mademoiselle, une carte géographique. Oh, pardon. Tenez, voilà le tour du monde en 80 feuilles. Et... Madagascar, voilà. Madagascar. Tenez, tenez, regardez, ça y est. La pointe du sabot. Voyez comment ça s'appelle. Oh, le Cap d'Ambre. Le Cap d'Ambre. Le Cap d'Ambre. Voilà. Voilà l'explication du message. Le sabot, le fume-cigarette en ambre, ça veut dire Madagascar, pointe septentrionale. Le port qui se trouve là, c'est Diego Suarez. Oui, Diego Suarez, c'est là qu'il faut aller. Allez, descendons les gars. Allez, 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 allez. Black, mon vieux, on est en avion. Ah oui, ouais, excusez-moi, vous savez l'émotion. Hein, ah oui, mais... Soyez patients, messieurs. Dans un quart d'heure, nous arrivons à Copenhague. Regarde un peu qui... Oh, Fouvreau. Fouvreau. Bonjour Black, bonjour Wright. Eh ben mais... Comment est-ce que vous avez... Ben ce ne serait pas la peine d'être le chef de la DDT pour ne pas être au courant de tout. Mais alors quoi, vous avez appris... Eh oui, que vous aviez fait fausse route parfaitement. Oh, mais monsieur est sans doute... Maurice Champeau dit la grammaire. Enchanté, monsieur Fouvreau. Ravi de vous contacter autrement que par téléphone. Moi aussi, Maurice, moi aussi. Oui. Je reconnais votre voix, votre visage également. Mais vous ne m'avez jamais vu jusqu'à ce jour. Au fichier secret de la DDT, nous possédons les photos de tous ceux qui s'intéressent à nous, ou auxquels nous nous intéressons. Tenez, voici la vôtre. Prise un jour de carnaval avec un faux nez lumineux et une perruque tournante. C'est amusant. Oui, c'est vous. Et ce monsieur... Votre fameux garde du corps, je gage, le signor Cannelloni. Si, signor Fouvreau. Cannelloni, vous savez, c'est un pseudonyme. Oui, oui, c'est... de son vrai nom, il s'appelle Asti Spumante. Pardon? Asti Spumante, signor. Vous me connaissez aussi? Non. Il m'avait semblé... Fausse réminiscence, en tout cas. Mes compliments, Asti, pour vos remarquables qualités de tireur. Merci, merci, signor Fouvreau. Et vous pouvez compter sur moi pour les cas où... Nous verrons. Pour l'instant, racontez-moi comment il se fait que vous ayez pu commettre pareille erreur. C'est bien simple, mon cher Fouvreau. Il y avait le sabot de l'OM. Oui, le sabot. Il y avait les dos, la tasse. Oui, alors on a examiné. Vous savez, le sabot, ça doit arriver. Ah oui, mais alors, bonjour, la Baltique. Non, ne rentrons pas dans les détails, le temps presse. Résumez ça succinctement. Allez, parlez très vite. Allez, hop. Eh bien voilà, on a pensé que le sabot de Noël représentait la Hollande, on a pensé que l'ambre du... Et voilà. Bon, parfait, comme ça j'ai compris. Venez, nous rentrons immédiatement à Paris. J'ai mon avion personnel. Là-bas, un sous-marin vous attend pour vous conduire à Madagascar. Ah, oui, oui, oui. Un sous-marin? C'est un bâtiment spécial réservé à la DDT. Il est amarré au pont de l'Alma. Allez, en route. Et quelques heures plus tard, à Paris... Voilà l'engin dont je vous ai parlé. Oh, très joli, ce sous-marin. Comment s'appelle-t-il? Le cafteur. Le cafteur, hein, ça en dit long. Hein. Ouais, et pourtant, il est petit et plat. Ah, c'est un sous-marin de poche revolver. Ah, ouais. Que je vous présente le commandant. Capitaine Fauderge. Monsieur. Enchanté, monsieur le capitaine. Il vous plaît? Oui, 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 oui. Mais dites-moi, il est atteint de strabisme divergent. Bah, déformation professionnelle, c'est un ancien agent de... Ah, tout s'explique. Ouais. Bon, à présent, embarquons. Enfin, embarquez. Et tandis que nos amis Black et White, escortés de Maurice la Grammaire, voguent vers le port de Diego Suarez à Madagascar, poursuivant à la fois leur enquête et leurs ennemis, nous allons évoquer un autre aspect, à la fois lointain et vivace, de cette étrange affaire. La porte s'ouvre lentement et une infirmière apparaît. Son voile blanc voltige un instant dans le courant d'air. Et puis, la porte se referme. L'homme l'a aperçu. Ses lèvres sèches remuent lentement. Il va parler. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Chut! Ne vous fatiguez pas. Vous êtes en sûreté. Qu'est-ce... Mais enfin, qui m'a amené ici? Quelqu'un qui vous veut du bien. J'ai été malade. Oui, très malade. Il y a longtemps. Très longtemps. C'est un miracle que vous soyez ici. Ah,
Attendez, oui. Ah oui, je me rappelle. Ça me revient. Oui. Une forêt. Oui, une forêt. Des arbres. Beaucoup d'arbres. Et puis des coups de feu. Et puis j'ai eu mal. J'ai couru. Et après... Après, le noir... Après, un homme vous a trouvé. Il vous a amené ici. Dieu merci, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus qu'à rester calme. Oui. Calme et détendu. Oui, oui. Mais cet homme... Vous le verrez, il vous parlera. Il me connaît. Tout le monde vous connaît. Commissaire Socrate. Mais attendez. Attendez. Il vous connaît. Peut-être. Sans doute. Sûrement. Vous êtes... Oh, que c'est difficile. Chut, chut, chut. Restez tranquille. Oh, détendez-vous. Oh. On va venir vous voir. Là. Oh. On vient. Bonjour. Commissaire Socrate. Oh. Oh, vous. Et vous? Qui vouliez-vous que ce soit? J'étais le seul à savoir que vous étiez en danger de mort. Le seul à pouvoir vous sauver la vie. Assassin. Ingrat. Allez-vous-en. Vous n'avez pas toujours dit ça. Je vous entends encore dans les feuilles mortes de Marly. Merci, ma vie vous appartient. Commissaire Socrate, vous n'aviez pas la même mentalité du tout. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Un nouveau-né demande-t-il des comptes à la sage-femme? Vous êtes un nouveau-né, Socrate, et grâce à moi. Comme tu es merveilleux quand tu parles. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Malvina! Voilà, c'est Malvina. Ah, je savais bien que je vous connaissais. D'ailleurs, j'aurais dû m'en douter. Allons, allons, ne vous énervez pas. Nous nous sommes tous donné tant de mal pour vous. Combien de temps suis-je resté inconscient? Vous êtes resté 43 jours dans le coma. Oh mon Dieu, j'aurais pu y rester. Vous aviez une chance sur 18. Une chance sur 18, ici, à la clinique Sainte-Roseline. Mais dans les buissons de Marly, une chance sur 18 000. N'est-ce pas, docteur? C'est vous qui avez tiré sur moi. Admettons. Mais c'est moi qui vous ai tiré de là. En somme, je vous dois à la fois la mort et la vie. Dans un certain sens. Oh, décidément, je ne sais plus si je dois vous aimer ou vous haïr, monsieur Furax. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.